Il n'y a pas tout le monde, bonjour. Alors dans la catégorie vie, vigilance, tadada, hein. Voilà, j'ai voulu vous parler d'un sujet en fait au regard de la diffusion de certaines vidéos sur Facebook en direct. Parce que moi je suis pas sûre, je suis pas une spécialiste, mais j'ai quand même fait un peu de propriété intellectuelle et voilà, et travailler un peu quand même sur l'approche des données personnelles. Et je pense que vous prenez beaucoup de risques à diffuser peut-être, hein, je sais pas, des vidéos en direct affichant les visages des gens. Je pense qu'il faut éviter ça de nos jours parce que voilà, vous pouvez diffuser peut-être bêtement une vidéo et on ne sait pas tous les risques qu'il y a derrière. Voilà, il y a les données personnelles, il y a des gens qui potentiellement seraient là et pourraient être, on va dire, des personnalités, sans que vous le sachiez ou autre, et voilà, il existe, on va dire, voilà, des statuts un peu particuliers pour ces gens-là. Et je sais que dans le domaine bancaire, par exemple, nous, quand j'ai pu y travailler, par exemple, ils étaient référencés sur une liste de personnes, voilà, de particularités. Donc, je sais qu'il y a des points de vigilance en plus sur ces profils-là, donc faites attention peut-être aux personnes que vous diffusez, voilà, on ne sait jamais. Je dis ça, mais je dis rien, après, chacun fait ce qu'il veut et chacun gère ses risques comme il entend. Mais c'est peut-être un conseil de bonne pratique, voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on fait très facilement et je pense aussi aux enfants. Voilà, il y a le droit à l'image, les enfants, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place autour de tout ça. Et moi, je ne la connais pas par cœur, mais je pense que c'est peut-être un sujet que je traiterai. Mais il faut faire attention, il y a une réglementation autour du droit à l'image. J'ai cru entendre parler même que c'était possible que votre enfant vous fasse un procès, donc faites attention. Voilà, si vous avez beaucoup d'enfants, ça peut vous coûter cher. Donc non, je rigole, mais je sais pas. Je sais pas si le problème est à prendre à la légère ou pas. C'était juste un de mes sujets de réflexion du soir. Tranquille, c'était une petite parenthèse. Allez, à bientôt, je vous laisse à votre réflexion. N'y est pas, gérez votre risque comme vous l'entendez. Puis surtout, tout simplement, prenez soin de vous, parce que j'aimerais pas que vous ayez des problèmes, parce que tout ce qui est procédure administrative et judiciaire, c'est long. Ça prend du temps et la vie va tellement vite que voilà, on aimerait bien que tout se passe en conformité, parce qu'on a autre chose à faire. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, gérez votre risque comme vous l'entendez. Yep, prenez surtout soin de vous.